Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, vous vous souvenez, dans la première partie, nous avions rabattu nos 33 mailles et on se retrouvait avec 23 mailles sur nos aiguilles. Et je vais, comme nous étions dans ce sens, vous vous souvenez, je vais venir tricoter 19 mailles. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Parce que vous vous souvenez, avant de rabattre, nous avions fait une ligne complète. Une ligne entière, si vous voulez. Voilà. Il me reste 4 mailles. Et je tourne. Et maintenant, je tricote. Donc, c'est 19 mailles. Parce que j'ai laissé en attente 4 mailles. Voilà. Et maintenant, les tricopines, nous allons venir récupérer nos mailles. Regardez que nous avions laissé en attente. Donc, ça a tourné, tourné. Donc, j'enlève. J'ai tout enlevé et je vais venir passer toutes mes mailles sur mon aiguille de droite. Donc, ça, c'était notre demi-dos que nous avions laissé en attente. Voilà. J'ai pris. Il fallait pas que je les glisse parce que vu que je vais les tricoter. Donc, logiquement, j'aurais dû les laisser sur mon aiguille auxiliaire, mais c'est pas grave, je vais les faire passer parce que nous allons les tricoter jusqu'au bout. Donc voilà. Que je fasse attention de ne pas perdre des mailles. Donc voilà, vous les prenez dans ce sens-là. De façon à ce que vous puissiez, regardez, dans ce sens, donc vous les glissez sur votre aiguille, vous commencez par le bas, regardez, et vous allez vers le haut. Donc si vous avez, moi j'ai enlevé très vite de mon aiguille auxiliaire, sans quoi j'aurais pu très bien tricoter sur mon aiguille auxiliaire. Voilà, maintenant j'ai tricoté mes 19 mailles, et je continue à tricoter les 26 mailles que j'avais laissées en attente. J'ai un nœud. Et je tricote la dernière maille. Voilà les tricopines. Donc, vous voyez, nous avons notre manche et maintenant nous allons continuer à tricoter le devant de notre brassière. Pour cela, alors là, je vais, vous vous souvenez, nous avions laissé 4 mailles en attente au niveau du col. Donc je vais faire une ligne complète, c'est-à-dire je vais tricoter ce rang jusqu'au bout. Donc, vous allez tricoter votre rang jusqu'au bout. Vous allez tourner, vous allez tricoter. Vous êtes sur l'envers, donc
Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au bout et on va se retrouver. Donc j'ai tricoté mes deux rangs, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et maintenant les tricopines, nous allons continuer à faire comme nous avions fait pour le petit demi-dos. Donc vous allez tricoter 26 mailles, vous tricotez 26 mailles, vous tournez, vous tricotez vos 26 mailles, vous êtes sur l'envers. Vous tournez, vous allez tricoter 45 mailles. Vous tricotez 45 mailles, vous tournez, vous êtes sur l'envers et vous retricotez vos 45 mailles. Vous tournez, vous tricotez toutes vos mailles. Vous tournez de nouveau sur l'envers et vous allez tricoter vos 49 mailles. De nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter 26 mailles. Retricoter vos 26 mailles et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 20 cm. Donc notre devant va faire à peu près 20 cm. Et une fois que vous avez fait vos 20 cm, on va se retrouver pour faire le deuxième manche. La deuxième manche. Et donc, je vais vous expliquer comment faire notre deuxième manche. Pour l'instant, vous continuez à tricoter au rang raccourci, comme je vous ai expliqué, pendant 20 cm. J'ai terminé de tricoter, regardez, mes 20 cm. Donc, en tout, ici, quand je mesure du parti la plus large, ici, j'ai 31 cm en tout. Et je suis sur l'endroit et regardez, je me retrouve avec, j'avais laissé mes 4 mailles, donc je vais tricoter toute ma ligne, donc je vais tricoter toute ma ligne cette fois-ci. Donc je vais terminer ma ligne. Et nous allons faire notre deuxième manche. Et nous allons faire exactement comme nous avions fait pour notre première manche. Donc, comme ceci. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je tourne, je suis sur l'envers. Et maintenant, je vais tricoter 23 mailles. Et nous allons laisser en attente, vous vous souvenez, nos mailles ici. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut les mettre sur une aiguille. Alors, nous allons tricoter nos 23 mailles. Alors, nos 23 mailles correspondent à nos 4 mailles, vous savez, pour notre col. 19 mailles, 4 pour la partie corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait 23 mailles. Ça fait 4 plus 19, 23. Donc maintenant, les 26 mailles, regardez. Alors, nous les avions mis, vous vous souvenez, pour le premier côté que nous avions fait pour notre manche, je vous avais dit de prendre un arrête-maille. Et là, je vais montrer
pour les tricopines qui en ont pas, vous allez voir, c'est vraiment pas un problème. Alors je vous avais dit, soit vous avez une aiguille supplémentaire, vous laissez cette partie sur une aiguille et vous continuez à tricoter avec une autre aiguille la partie ici. Si vous n'avez pas d'aiguille supplémentaire, vous prenez une aiguille à laine et regardez les 26 mailles. Regardez, je vais les prendre sur mon aiguille à laine comme ceci. Regardez, je les fais passer. C'est juste vraiment pour vous montrer que c'est possible de faire comme ça aussi si on n'a pas d'arrête maille. Voilà, vous faites passer toutes vos mailles. Donc normalement nous avons 26 mailles pour la partie corps. Regardez, voilà, j'ai fait passer comme ceci et là, et mon petit bout de laine ici, je l'attache bien, parce que si je l'attache mal, là mes mailles peuvent sortir de mon fil et se découdre. Voilà, donc c'était juste, regardez, vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir cet appareil. Et maintenant nous allons monter, vous vous souvenez, comme ceci, 33 mailles. Donc nous faisons notre deuxième manche et vous allez monter, regardez, je tourne, 4, 5, 6, comme ceci, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, donc là je vais vite, 30, 31, 32 et 33. Et maintenant nous tournons et nous allons tricoter nos 33 mailles. Donc vous allez tricoter vos 33 mailles, donc vous savez que c'est un petit peu serré, donc ça prend un peu de temps, voilà. Et nous tricotons comme ceci, regardez. Donc n'hésitez pas à glisser votre aiguille pour élargir un peu votre maille si vous y arrivez. Regardez, comme ceci. Alors nous allons tricoter ces 23 mailles. Voilà, comme c'est un peu serré. Donc tricoter ces 23 mailles que nous avons, ces 33 mailles que nous avons montées. J'ai tricoté mes 33 mailles. Regardez, je suis comme ceci et je tourne. Et nous allons faire notre rang raccourci. Et je vais tricoter mes mailles à l'endroit 2, 3, 6. Si vous désirez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Là, une fois que vous avez tricoté vos 33 mailles, vous pouvez aller jusqu'au bout et revenir et les tricoter ou commencer à faire votre rang raccourci, ça n'a pas d'importance. Donc nous allons tricoter cette manche exactement comme nous avons tricoté la première.
Voilà, donc j'ai tricoté mes 33 mailles, je vais tourner et cette fois-ci je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il m'en reste 4 en haut, c'est-à-dire 33 plus 19. Ce qui va me faire 52 mailles si je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc, vous allez tricoter 52 mailles, soit jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles ici. Je suis arrivée au bout de mon rang, regardez. Il me reste 4 mailles et je tourne. Et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout de mon rang et j'ai tourné et je commence à tricoter cette fois-ci toutes mes mailles jusqu'au col. Donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout, donc ainsi que les 4 laissées en attente. J'ai tricoté donc mes mailles jusqu'au bout ainsi que les 4 mailles que j'avais laissées en attente. J'ai tourné et j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Regardez, je suis au bout de ma manche et maintenant nous recommençons. Donc on tricote 33 mailles, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois-ci, on tricote 33 mailles. Nous sommes sur notre manche. Donc, je vais compter. Je compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. 33 mailles et je tourne. Et nous allons faire comme nous avions fait de l'autre côté. Nous allons tricoter. Donc la première maille, nous ne la tricotons pas. Et je vais tricoter 29 mailles avec ma première maille. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc c'est pour que je vous avais expliqué, pour avoir nos manches un petit peu serrées. Vous voyez, il me reste 4 mailles et je tourne et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles au niveau de mon col, c'est-à-dire 39 mailles plus 19 mailles. 33 plus 19, il me semble que ça nous fait 52 mailles. Donc, les tricopines, vous savez le faire maintenant. Donc, regardez. J'ai laissé 4 mailles en attente du côté de la manche. Et je vais tricoter, en comptant ces 4 mailles, bien sûr, 52 mailles, je crois. Enfin, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Une fois qu'il vous reste 4 mailles, vous allez tourner, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout ici de votre manche à l'endroit. Vous allez tourner et cette fois-ci vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout. Vous allez tourner, tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout de la manche. Vous allez tourner, vous allez tricoter 33 mailles.
vous allez tourner, vous allez tricoter 29 mailles parce que vous allez laisser en attente 4 mailles. Vous allez tricoter, vous allez tourner, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 52 mailles, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Vous allez tourner, tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers. Vous allez tourner, vous êtes de nouveau sur l'endroit et vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Vous allez tourner, vous allez retricoter toutes vos mailles à nouveau à l'endroit. Tournez, vous allez refaire la même chose, 33 mailles. Vous tournez, vous tricotez 29 mailles. Donc, vous, c'est seulement quand vous avez tricoté 33 mailles et que vous tournez, que vous êtes sur l'envers, que vous laissez 4 mailles en attente. Vous, donc après, vous allez tricoter. Donc, vous avez laissé 33 mailles en attente. Vous avez tricoté 33 mailles, vous avez tourné, vous avez tricoté 29 mailles, vous avez tourné, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, soit 52 mailles. Vous tournez et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obtenez, comme notre manche ici, vous faites exactement la même chose jusqu'à ce que nous ayons 16 cm. Et une fois que nous avons terminé nos 16 cm, nous allons faire l'autre petit devant, l'autre petit derrière, pardon. Et nous aurons presque terminé notre brassière. J'ai tricoté mes 16 cm pour la manche, regardez. Donc, je suis à mon rang, regardez, complète. C'est-à-dire, j'ai tricoté toutes mes mailles. Sur l'envers, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit aussi. Et maintenant, regardez, je suis sur l'endroit et je vais venir rabattre les 33 mailles que nous avions monté pour notre manche. Alors, on va rabattre nos 33 mailles et nous aurons terminé pour notre deuxième manche. Donc, vous allez rabattre 33 mailles, il va vous rester 19 plus 4, 23 mailles sur votre aiguille. J'ai rabattu mes 33 mailles pour ma manche, regardez. Donc, nous allons pouvoir l'assembler comme ceci après. Et par contre, regardez, j'ai assemblé un peu serré. Donc, faites-le vraiment souplement parce que le serré, ce n'est pas l'idéal. Après, vous allez tourner et on va venir récupérer nos 26 mailles que nous avions laissées en attente. Donc, je défais mon nœud et je vais regarder venir prendre mes mailles comme ceci. Regardez, mon fil est à l'intérieur. Regardez le fil dans lequel j'avais laissé en attente. Une fois que j'ai passé toutes mes mailles, comme ceci, regardez. Vous voyez, mon fil est là. J'aurai plus qu'à tirer mon fil et toutes mes mailles seront sur mon aiguille. Donc ça, c'est si vous n'avez pas d'arrêt de maille, vous pouvez choisir cette méthode. Donc vous faites passer toutes vos mailles sur votre aiguille. Regardez les tricopines, j'ai fait passer toutes mes mailles et j'ai plus qu'à tirer, regardez, tenir et tirer sur le bout de laine. Et maintenant, je vais tricoter. Voilà. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste. Ah oui, vous vous souvenez? Il fallait faire passer notre aiguille par le bas, comme nous avions fait de l'autre côté. Donc, vous reprenez ces 26 mailles laissées en attente sur votre aiguille de droite. Regardez. Donc, l'idéal, ce serait été que je les fasse passer directement sur mon aiguille de droite. Mais voilà, ça n'a pas d'importance. On les refera passer parce que nous allons continuer à tricoter. Parce que notre fil était ici. Vous vous souvenez? Donc maintenant, regardez, je vais rattacher.
donc comme ceci. Donc nous avions tricoté, vous vous souvenez, 33 mailles. Après nous avons tourné, nous avons rabattu nos 33 mailles. Maintenant je vais tricoter jusqu'au, regardez, j'assemble la partie, donc j'ai assemblé mes manches comme ceci, regardez, et je tricote le côté. Donc je vais tricoter jusqu'en bas, regardez, pas là où je fais les le rang raccourci, mais le bas de notre brassière. Donc je vais vous expliquer à nouveau ce que j'ai fait, je veux pas que ça soit incompréhensible. Donc, nous avions nos 26 mailles en attente que moi j'avais mis sur un petit bout de laine et vous donc sur votre arête maille. Après, donc j'ai tricoté mes 33 mailles, j'ai tourné, je les ai rabattues, j'ai récupéré les mailles qui étaient en attente sur mon fil et regardez, je les ai tricotées jusqu'au bout. Je tourne et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 19 mailles parce qu'ici j'avais tricoté 33 mailles et j'avais tourné. Donc maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste, pas 19 mailles, jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc, et nous avons donc, je peux dire, presque terminé notre brassière. Donc il ne reste plus qu'à tricoter notre demi-dos. Donc, vous tricotez comme nous avions fait pour le demi-dos, le devant. Donc, on va continuer à tricoter au rang raccourci, c'est-à-dire, regardez, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Vous allez tourner, vous allez tricoter toutes vos mailles. Vous allez tricoter, cette fois-ci, toutes vos mailles. Vous allez tourner, tricoter vos mailles. Donc sur l'envers à l'endroit. Après vous allez tourner, vous allez tricoter 26 mailles. Là nous sommes passés au corps, on a terminé le bras, donc 26 mailles. Vous tournez, vous tricotez vos 26 mailles, vous retournez à ces 26 mailles, vous rajoutez 19 mailles supplémentaires, ce qui nous fait 45 mailles. Vous tricotez, vous tournez, vous retricotez vos 45 mailles et cette fois-ci, vous tournez, vous êtes sur l'endroit et vous retricotez vos 49 mailles, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 9 cm. Une fois que vous avez fait vos 9 cm, on va se retrouver pour faire les 2 cm qui restent et nous allons mettre des boutonnières ensemble. Donc, vous allez continuer à tricoter au rang raccourci pendant 9 cm, exactement comme nous avions fait, vous vous souvenez, pour le devant, pour le dos. Donc c'est toujours la même chose et on va se retrouver donc pour faire les boutonnières. Voilà, vous continuez à tricoter ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles et ainsi de suite. Après avoir tricoté nos 9 cm ici au rang raccourci, une fois que vous avez fait vos 9 cm au rang raccourci, nous allons passer à notre bordure et en même temps faire nos boutonnières. Donc pour cela, j'ai tricoté 4 rangs complètes. Nous avons terminé pour le rang raccourci, donc 4 rangs complètes au point mousse. Et maintenant, je vais tricoter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf mailles, un jeté, deux mailles ensemble.
Donc nous avons fait notre première petite boutonnière. Nous allons tricoter 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Nous allons faire notre deuxième boutonnière, un jeté, deux mailles ensemble et nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. Et je vais faire un jeté, deux mailles ensemble et je vais tricoter 1, 2, 3, 4. Donc je n'ai pas mis 4 mais 3 boutonnières parce que comme cette partie vient dans le dos, je ne peux pas mettre beaucoup de boutons pour que ce soit pas gênant pour le bébé. Donc juste 3 boutons, donc 3 boutonnières. Et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit ainsi que les jetés. Regardez, comme ça nous avons notre boutonnière. Regardez, nous allons mettre des petits boutons. Donc vous terminez votre rang, vous tricotez 4 rangs supplémentaires, donc ça nous fait 2 cm de bordure. Et vous allez rabattre souplement toutes vos mailles. Regardez. Donc voilà, vous terminez votre rang. Vous tournez, vous faites 4 rangs supplémentaires. Et vous allez rabattre souplement toutes vos mailles. Voilà les tricopines, notre brassière est terminée. Donc j'ai fait les boutonnières, j'ai rabattu. Donc assez souplement. J'ai mis des petits boutons rose comme ceci, ce que j'avais, et j'ai cousu sous les bras. Voilà, donc le dos de notre brassière et voilà le petit devant de notre brassière. Si vous désirez, vous pouvez mettre un petit nœud ici, ça sera très très joli. Alors je viens d'y penser, donc je n'ai pas de nœud, mais vous pouvez, si vous le désirez, mettre un petit nœud. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc c'est vraiment une petite brassière naissance. Je vais vous donner les dimensions. Nous avons 19 cm de hauteur totale, 20 cm, ben je vous avais dit de tricoter, vous vous souvenez, 20 cm pour le devant. Donc voilà, notre petite brassière est terminée. J'espère les tricopines que vous avez apprécié ma vidéo. Juste un petit détail, souvent quand nous faisons des brassières au rang raccourci, nous faisons nos retours sur 4 points, c'est-à-dire le premier point ici, un deuxième à ce niveau-là, un troisième et le quatrième pour le col. Donc moi j'ai désiré faire en 3 fois, c'est-à-dire, vous vous souvenez, nous avions tricoté 26 mailles pour le corps, plus 19 mailles, et au rang suivant, les 4 dernières mailles. Donc j'ai utilisé cette méthode qui revient exactement au même, et donc je me suis dit, c'est peut-être plus facile comme ça, on s'embrouille pas, on se mélange pas. Et ça m'a paru beaucoup plus simple. Voilà les tricopines, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel. Je pense faire un ensemble, faire les chaussons et le petit bonnet béguin. J'ai un modèle de bonnet béguin qui est vraiment vraiment très sympa avec des petits froufrous, des petits volants. Donc je pense le faire aussi avec vous. Donc je vous dis à très vite les tricopines. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos. Et je vous dis à très très vite dans un prochain tutoriel.